Une fois encore l'abbé, après l'abbé, c'est Kindia. Après l'abbé, c'est Kindia. Un peu partout sur l'étendue du territoire, le recrutement pour l'armée. Je vous avais dit, je vous dis que le CNRD, ils n'ont pas d'argent. Aucun pouvoir au monde ne va refuser de donner de l'emploi. Parce que nous avons des vauriens qui sont là, à la tête du pays, le CNRD. Ils sont venus trouver plus de 14 000 Guinéens qui travaillaient, qui étaient payés, qui prenaient leur salaire. L'État, on nous dit, l'État, c'est la continuité. Mais ceux qui étaient là n'avaient pas de problème pour payer. Vous n'avez jamais entendu que l'État a été incapable au temps du président Faconde pour payer les fonctionnaires, les 14 500 personnes. Même si eux, l'argument, oui, il y avait des fictifs, mais l'État parvenait à payer tous ces gens-là. Je vois des jeunes aujourd'hui qui sont en train de pleurer. Ils ont passé tous les tests physiques, écrits pour l'armée. Après quelque temps, on vient les enlever. Je vous avais dit, j'ai dit, vous perdez vos temps. Vous allez encore me respecter. Je dis, vous perdez. Ceci-là ne peut pas prendre 1 000 personnes aujourd'hui pour augmenter au nombre de fonctionnaires. Ils sont coincés partout. Il n'y a pas d'argent. Les jeunes, je vous ai dit. Je vous ai dit, c'est de l'arnaque. Le CNR de Mamadou Doumbouya, c'est l'échec total. Aujourd'hui, ils sont en train de vendre vos matricules à leurs parents, à leurs proches, à d'autres personnes. Et pourtant, c'est vous qui avez passé le test. Écrit, physique, tout. Je vous ai prévenu là-dessus, mais vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, le temps me donne raison. Je vous avais dit ça depuis longtemps. J'ai dit, ne vous fatiguez même pas ces recrutements-là. Ils ont mis 14 000 personnes, ils ne pourront même pas prendre 3 000 personnes. Parce qu'ils n'ont rien, les caisses sont vides. Vous voyez aujourd'hui, ça pleure. Je vous avais dit au début du coup d'État, j'ai dit, la chance qu'ils ont eue, c'est que le président Alpha Condé, grâce à lui, il y avait beaucoup de réserves. L'État avait beaucoup d'argent au trésor public. Mais les bandits sont venus, ils ont tout dilapidé. Mamaya, montage pour faire sortir l'argent. Aujourd'hui, ils sont fauchés. Ils ne font que endetter le pays à travers les banques qui se trouvent en Guinée aujourd'hui. Je vous ai expliqué. Mais continuez à rêver. Hein. Avec Mamadi, continuez à rêver. Vous n'avez absolument rien compris. Vous voyez ces petits projets. Faire des, je sais pas, des statues au bord de la route, leur branding au niveau de l'aéroport, rénovation, je ne sais pas, du palais, vous n'avez rien compris. Demandez d'où vient l'argent. D'où vient l'argent? Demandez. Ça, ils ne vont pas vous dire. Tout ça, là, c'est caché. Tout ça, c'est caché. Demandez. Où Mamadi prend l'argent? Vous allez comprendre. C'est pourquoi ils ne peuvent pas recruter. Les banques là aujourd'hui, ils sont en train de pousser pour prendre de l'argent et repousser la dette 2 ans, 3 ans en arrière. Parce que le bandit, c'est ça, ils veulent tromper tout le monde. Et des idiots qui sont là disent non, Mamadi, et regardez, il a accéléré les chantiers du président Faconde, vous ne comprenez rien du tout. Vous ne comprenez rien. La situation de notre pays. Le pire reste à venir, je vous ai déjà dit. C'est-à-dire, les difficultés qui sont là, là, ça c'est petit d'abord. Wallahi billahi. C'est petit. C'est quand ces banques-là vont demander à l'État de les payer. Alors là, vous allez bien comprendre. Il dit 1 000 nans, cet homme. Et Rafa donné 11 000 nara. Comment tu vas t'en sortir? Alors, non, 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 il faut la faire au Benaki. Afini Mamadi Doumbouyara. Mais rien n'a femme. Même si c'est Obama, même si c'est le président américain qu'on prend, on dépose, il aura des difficultés par la faute de ces vauriens, de ces bandits aujourd'hui. Tant qu'ils sont là, aucun partenaire n'a confiance à la Guinée. Ils ont été en Turquie, ils ont tout fait pour voir des hommes d'affaires, pour venir investir en Guinée. Mais il n'y a pas de climat de confiance. Et la Soudal aujourd'hui est opposée à ces gens. Sidya Touré est opposé. Le RPG, nos leaders sont en prison. Vous pensez que c'est. Les hommes d'affaires là sont bêtes pour venir mettre leur argent dans les mains des bandits
dans un pays où il n'y a pas de stabilité. Regardez au Burkina. Les actions, ce qui se passe là-bas. Les partenaires, comment ils viennent là-bas. Il y a un climat de paix. Les politiciens sont tranquilles. Ibrahim est en train de faire sa mission. Mais chez nous, des voyous qui sont là, qui pensent qu'eux, ils sont tombés du ciel. Ce pays les appartient. Le titre foncier appartient à leur papa. En train de tout gâter. Donc, la famille, réveillez-vous. Hein. Je vous ai dit de toujours liker. Parce que les bandits ont peur de nous. Ils ont sérieusement peur des activistes. Ils ont sérieusement peur de nous, des réseaux sociaux. Ils ne font que signaler, payer des experts, payer des gens. Il faut les faire taire. Mais vous vous fatiguez. Allez-y sur YouTube. Allez-y sur notre page Facebook. Moi, je vous ai dit, le général, moi, je ne fais pas mes vidéos pour de l'argent. Où je gagne l'argent, là, c'est ça, c'est Uber. Voilà. C'est Uber. Là, si vous fermez mon compte Uber, là, je vais sortir sur Facebook pour pleurer. Mais tant que moi, je fais mon Uber, je suis à l'aise. Je dis, Aliam de Lilaï, je fais Facebook pour dénoncer les bandits, pour combattre ces traites, ces narcos qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, la famille, dites à vos frères, tous ceux qui ont voulu avoir un emploi au niveau de l'armée, vous vous fatiguez. Mamadou Doumbouya Kobrimouna, Las Mouna Mboudiala, voilà, il n'y a pas d'argent. Ces gens-là, ils sont venus juste tromper tout le monde, mentir à tout le monde. Et continuons à prier. Continuons à prier pour le changement et renforcer l'unité nationale, la Guinée avant tout. Et les gens ont compris aujourd'hui. C'est seulement des enfants qui n'ont pas compris. Des enfants qui ne payent pas de maison, qui ne payent pas de ration à la maison. Bon, quand ils voient le bandit, voilà, c'est ce qui... Voilà. Donc, comprenez cela. Vous avez vu les Nations Unies encore, ils sont en train de mettre la pression. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, c'est l'échec total. C'est l'échec total. C'est la honte. Il y a la pression des grandes puissances contre la Guinée aujourd'hui. Les Nations Unies, des âmes disparues à Conakry, retrouvées dans les mains des djihadistes au nord du Burkina. Et les États-Unis sont en train de mettre la pression pour le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez vu aussi pour les Nations Unies. Pour les Nations Unies, je crois que vous avez vu ça ce matin. Voilà. Attendez, je crois que voilà. Je vais vous lire un peu. Voilà, les Nations Unies veulent un retour à l'ordre constitutionnel. On espère que le processus entamé avec la CEDEAO va se poursuivre. Voilà. Au cours d'une rencontre entre le Premier ministre et du G5 Guinée, un groupe de diplomates qui regroupe les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union Européenne, les États-Unis, la France, des discussions ont porté sur le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, tous ces gens-là les mettent la pression. Ils sont en Guinée, ils ont des représentants, ils connaissent, ils voient les tendances en Guinée, la souffrance de la population. Sur le plan politique aujourd'hui, les grands partis politiques, les leaders politiques sont menacés. Il n'y a pas de liberté d'expression, rien du tout. Le bandit est venu tout dégrader. L'économie, il est venu tout gâter, ce bandit de Mamadi Doumbouya. Donc, nous devons prier, mettre la pression sur ces bandits, sur tous les niveaux, pour faire partie de ce bandit. Je vous dis déjà, Billahi, l'armée, 95% ne veulent pas entendre parler de ce bandit-là aujourd'hui. Si ce n'est que, vous savez, je vous avais dit la dernière fois, ce sont des préfets escrocs, comme le préfet de Dubreka, qui dit que Mamadi c'est la solution. Voici un préfet Yagi Taré. Le préfet de Dubreka, un préfet Yagi Taré. Regardez-le. Voici le préfet de Dubreka. Itan Karanga Mirina Rambe. Itan Barabu Armé Mirina Rambe. Itan Yagi Taré. Quelqu'un qui a l'âge de ton enfant. Il fatigue. Itan Sori. Hein?
comme Mamadi, c'est la solution. Autant démagogue, parce que Tambara finit préfère. Quand Mamadi Mara, il m'a fini ma préfère. Quand Kouretanara, il m'a fini ma préfère. Préfère de Dubreka, il t'a ya guitare. Il t'a fait la Mamadi Doumbouya. Solution. Autant armé tout. Ravitaillement de riz. Est-ce que le prix de riz a augmenté à 300 et quelques? Et non, en différence, Soma Ouira. Autant ya guitare. Parce qu'il t'en a préfère. Il dégue ma faïra. Au mouyatima. Et t'en gaffe la Mamadi Doumbouya la solution. Autant démagogue modèle. Onu bo di bog. Onu bo. Bog yo. Nabog mousga mayare. Voici un démagogue préfère. Le préfet de Dubreka. Parce qu'il est à nous. Elle est à Runa. Obirila. Autant de démagogie. Dadis Sofa, elle est à Runa Falanakine. Et au débalance ou non. Au mouya guima feu. Au bog mato. 14 000 personnes. Sore mato. Et farafé. Au ras supérieur mato. Et n'aïra ya guifé. Il t'en préfère, il y a guitare, préfet de Dubreka. Au déballant, c'est vous qui encouragez les bêtises. Il y a préfecture, mais Dubreka. Mais il y a rien à wafé. Il n'a rien à bangé qu'on a fait. Sans mesure d'accompagnement. Il y a eu des inondations tout récemment. A misé la barre population, ben. Autant préfet, il y a guitare. Parce que Mamadi Doumbouya ratant. Il t'en bras fini, préfère. Oui, tu ne t'attendais pas. Il déballant. Mamadi Doumbouya, solution, solution, Mundo. Malibek Sare Yerara. Il n'a pas ma solution. Si au temps du président Fakonde, c'était 200 et quelques, à tantôt Fanaki, peut-être qu'à fini, mané 100 et quelques. Il t'en préfet, il y a guitare, préfet de Dubreka. Awa Baraso Moutagi. Awa chaque jour, il lave mané proprement son nom. Il t'en y a guitare, ko Mamadi la solution. Il mouya guima. Aura supérieur, 42 généraux, et bire sa poubelle. Il mouya guima, Mamadi la solution. Il t'en y a guitare. Parce que Tambara fini préfère. Des malhonnêtes comme ça sont en train d'encourager les dérives de ces bandits, de ces vauriens. Toi, tes diplômes dépassent pour ce bandit-là. Tu as des promotionnaires dans l'armée. Tu dépasses sur tous les plans ce vaurien et tu as le courage. C'est-à-dire, la Guinée-Kera, culture nara, comme mentalité nara. Les gens n'ont plus de dignité. Même Mri, c'est féminin. Il y a dignité. Ton âge. Il y a expérience, il y a l'ONI. Il ne faut pas bafouer ça pour des futilités. Il y a même à la Guinée. Mais des gens, ils sont plus âgés que toi. Ils ont l'âge de ton papa parce que tu les dépannes seulement. Ils mettent leur dignité à l'eau. Hé, hey, ma grand. Hé, hey, ma grand. C'est-à-dire, la Guinée, non, ma cigade dit. Ça, c'est devenu déjà culture en amour ou lit. Démagogie, nana la Guinée-Ka Ouline. Des gens qui disent à des gens qui ont l'âge de leurs enfants, hé, hey, ma grand-nara, Kokoya, Kokoya, est légalisé, Kokoya, et Valère Sama, Kogrand. Toi, le préfet, là, Emou Yagima, il y a combien de préfets? Tu entends qui fait bruit? Autant de démagogie, comme Mamadi Doumbouya, c'est la solution. Parce qu'à Tangwa Maloufé, préfet Yakui, à moi, Mamadi Doumbouya, Rassiga. Parce qu'à Kolo, Mamadi Doumbouya, nous sigalons, à Nyon, il n'y aura plus de préfet militaire. Ça va être des civils. Voici des démagogues pareils. Démagogie sur démagogie. À un moment donné, on débalance, on a quoi. Dibor Rassiga Yare, autant de démagogues. Père à l'âme de Feu Général, Lansana Conte. Barrage Yérissa. Donc, au débalance, non. Autant il y a guitare. Donc, la famille, c'était ça ce matin. Les candidats qui sont en train de pleurer aujourd'hui, un peu partout sur l'étendue du territoire, sur le recrutement, vous avez payé des cautions, ils vous ont fait perdre du temps, vous avez couru, vous avez passé des tests écrits, vous avez tout eu. Aujourd'hui, ils viennent vous mettre de côté. Moi, je vous ai dit, le CNRD, c'est l'échec. Sur tous les plans, regardez aujourd'hui le pays, comment le pays est. Je vous ai dit, ce n'est pas Mamadi. Demandez le passé de Mamadi Doumbouya. Comment Mamadi Doumbouya a quitté Kankan pour Conakry? Demandez les gens, ils vont vous dire comment Mamadi a quitté, comment ils l'ont fait fuir de Kankan. Il y avait des étudiants qui allaient au bord du fleuve Milo, tirer des photos, passer des loisirs, faire des moments de loisirs. Mamadi Doumbouya et son groupe, à l'époque, ils sont tombés sur ces étudiants, ils ont pris leur appareil photo.
L'affaire, ça a dégénéré. Donc, ils ont cherché à les arrêter. Ils ont fait fuir Mamadou Doumbouya pour Conakry. Il est venu chez l'un de ses oncles, l'un de ses parents. Parents dont la personne avait épousé la sœur à sa maman. Donc, Mamadou Doumbouya est venu chez ce dernier qui avait l'agence de voyage. Mamadi était là-bas. Il faisait des wali-wali pour ces gens-là. Ils l'ont aidé, ils l'ont donné un passeport. Vous savez, avant, tu pouvais prendre le passeport des gens pour donner à d'autres pour partir en Europe. Donc, c'est dans ça, Mamadou est sorti dans le réseau là pour partir en Europe. Et même le passeport qu'on lui a donné, on dit de ramener, Mamadou n'a pas ramené. Vous pensez que Mamadou Rabandia a fallu retourner. De Cancan, ils sont tombés sur les étudiants, ils l'ont fait fuir pour Conakry. De Conakry encore, il s'est débrouillé, banabana, on lui donne le passeport, il faut partir, il faut ramener, il n'a pas envoyé. Dans ça encore, en Hollande, demandez, il était derrière qui? Ce dernier est décédé, ses proches m'ont demandé de ne plus dire son nom. Il était derrière qui là-bas? Donc Mamadi, son passé là, ce n'est même pas bon. À plus forte raison, son présent là. Tout, pour lui, tout est manipulation. Donc on doit pour dire que Mamadi va changer. Wallah, si ce bandit là va changer. Vous n'avez rien compris, hein? Vous n'avez rien compris. Et je vous ai dit encore, la fille dont vous voyez, pour dire que c'est la fille de Mamadi, ce n'est pas sa fille, go. Ce n'est pas sa fille, go. On va dire que c'est sa cousine même, c'est sa cousine. La petite sœur de sa maman, leur Benjamin. C'est peut-être cette dernière qui a eu l'enfant avec un Libanais, riche Libanais, homme d'affaires à Cancan. Donc ce Libanais voulait prendre l'enfant, l'amener au Liban. Sa sœur, sa tante, non, a pris l'enfant et confié à Mamadi en France. Donc c'est comme ça. Les gens pensent que même moi, au début, je pensais que c'était son enfant. Voilà. On va dire c'est sa cousine. Ce n'est pas son enfant, go. La fille dont vous voyez, ce n'est pas la fille de Mamadi, go. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Je mets toute personne en défi. Donc, ce n'est pas sa fille. Hein? Donc, je vous dis, Mamadi, tout est faux. Tout est faux. Même en France, pour avoir les papiers, il a été quoi? Légionnaire. Et vous connaissez le travail des légionnaires. C'est des mercenaires. Ils ne font pas du bon boulot. Vous avez entendu son discours. Je vais faire le sale boulot. Oui, ils vont toujours faire du sale boulot. Mamadi, c'est le sale boulot. Mamadi ne connaît pas le bon boulot. Mamadi ne connaît pas le respect. Mamadi, c'est ça. Même lui, il a été viré de la Légion. Pourquoi? Pour indiscipline. N'eût été les mauvaises personnes autour du président Fakonde pour prendre Mamadi. Malgré tout ce que le président Fakonde a fait pour lui. Tu es rentré, tu n'avais rien. La vie devenait difficile. On crée les forces spéciales. Tu as la chance d'être à la tête des forces spéciales. Toi, tu étais légionnaire, c'est que tu ne gagnais pas. Avec les forces spéciales, tu avais tout. Tu dis, tu veux maison, on t'a donné terrain à l'André à 70 ans pour toi. T'aider à construire. Recommander des gens pour construire. Ils ont construit l'Andrea pour lui. Tout le monde a vu la maison. Même Mamadi, quand il partait pour la fête, Walloy, le président Fakonde achetait des boubous pour lui. La photo de Mamadi à Cancan, le grand, où vous voyez gros boubou avec lui. Ça, c'est le président Alpha Condé. Quand vous demandez les proches, ils vont vous dire. Les proches même de Mamadi, Billoy, c'est les proches de Mamadi, eux-mêmes, qui l'ont confirmé. Les proches de Mamadi, ils partaient à Cancan. Le président lui dit, tu es où? Celui qui nous a dit ici qu'il a vu que le président, deux fois seulement, Nifisri Lombalité. Il lui dit, viens, il lui donne le boubou, tout. Fais tout pour ce gars-là. C'est pourquoi souvent je m'assois, voilà, je dis, cet ingrat-là, je ne peux pas l'aimer. Vous m'avez tous vu avec Mamadi. La photo avec Mamadi. Si je devais profiter comme d'autres là, moi j'allais profiter avec Mamadi. Mais j'ai vu, non, non, non. Il ne faut jamais accompagner un traître. Parce que nous avons dit ça. Parce que nous avons dit que nous avons dit. Si les gens viennent taper sur Mamadi, moi, je me suis engagé. Est-ce que quelqu'un va me faire confiance encore? Moi, j'ai défendu ce Mamadi ici. Et s'il devient traître, moi je vais venir le soutenir dans ses bêtises. Demain, on le fait tomber. Qu'est-ce que moi je pourrais dire au peuple de Guinée? Qu'est-ce que je vais dire aux Guinéens encore? Je vais mettre aussi mon avenir à l'eau à cause de Mamadi. Donc, Agnewama, Nkawole Falignana, Aladi Tien demain.
Il y a eu tellement de mensonges ici pour calmer les gens, pour endormir les gens. C'est le coup d'état du président Fakonde avec Mamadi. Parce que Mamadi sait, les fiefs du RPG resteront toujours intacts. Ceux qui aiment le président Fakonde, ils vont toujours l'aimer. Il fallait mettre ces mensonges, faire taire le président, dire que non, président Fakonde ni Mamadi Doumbouya le comment. Même avant-hier, j'ai vu un monsieur ici, à Philadelphie. Il me dit que il y a les proches de Mamadi qui les ont dit que Mamadi ni président Fakonde le co-créma. Eh, Allah, Alte de Bovia là. Qu'est-ce que le président Alpha Condé débat les obsèques de sa femme, tout le monde a vu. Les jeunes, les Seydou qui étaient derrière le président Alpha Condé, qui voyageaient partout où partait le président Alpha Condé, Seydou, paix à son âme, ils étaient derrière le président Alpha Condé. Tous ces jeunes morts, le président Alpha Condé qui venait d'organiser des élections, il n'y avait pas de problème, il y avait la calmie, rien. L'économie se portait bien, des réserves étaient là. C'est le président Alpha Condé qui va laisser tous les membres de son gouvernement, tous ces gens, tous ces intellectuels dans l'armée, prendre le pouvoir et donner à un vaurien un tonneau vide comme Mamadi Doumbouya. Moldol Teslanade, ils n'ont pas peur de mentir. Wallah, ils n'ont pas peur de... Al Teslana via Forodi. Le pouvoir, de façon, c'est doux là. Avec ces humiliations, avec toutes ces insultes, avec tous ces manques de respect, avec tout ce que le président Alpha Condé a fait, c'est le président Alpha Condé qui va accepter, qui travaille avec... non. Il y a des gens qui sont en train de dormir encore. Dormir. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, que sinon, pourquoi on ne l'a pas tué? Et si Mamadi avait tué le président Alpha Condé ce jour-là, ça aussi, ça allait être autre histoire. Si Mamadi avait tué le président Alpha Condé, ça allait être autre chose encore. Lui, à Cancan, personne n'allait parler de lui. Mamadi sait. Il sait s'il avait tué le président Alpha Condé. Quand au Burkina, ils ont tué le président, quand au Mali, il y a eu le coup d'État, ils ont tué Ibeka là-bas. Tu vois des ingrats qui viennent. C'est-à-dire s'ils veulent nous parler. Ah non, petit Yavi, Mamadi, il a sauvé la vie du président Alpha Condé. C'est-à-dire, je me dis, ils sont bornés. Il y a cailloux dans leurs oreilles. Dans leur tête, là, il n'y a rien dedans. C'est caca. Quelqu'un qui a fabriqué la personne, qui a tout fait, ce n'est pas Mamadi qui a donné le pouvoir au président Alpha Condé. Il n'est pas l'ami du président Alpha Condé. Il n'est pas un associé du président Alpha Condé. Il est venu, le président Alpha Condé était déjà président. Que ce vaurien n'a pas tué le président. Pourquoi il ne l'a pas fait? Et puis ils sont là, ils veulent nous convaincre avec ces bêtises-là. Ah, petit Yavi, hein, Mamadi, il aime le président Fakonde, que sinon il allait le tuer. Il fallait qu'il le tue. C'est Dieu qui a voulu que le président Fakonde soit là. Ça, c'est le destin du président Alpha Condé. 86 ans, ce n'est pas donné à quelqu'un. Le papa de Doumbouya n'est pas là. Moi qui vous parle, mon père n'est plus là. Ça, c'est Dieu donné. Ça, c'est Dieu donné. Donc, ce n'est pas Mamadi. Donc, moi, je vous ai dit, ne m'appelez plus pour ces bêtises-là. Kafonyanako, Mamadi, Hinela, président Alpha Condé. Et, non, Nalla Fisrilom Baliate, quoi. Nalla Fisrilom Baliate. Qui va parler que Mamadi Hinela, président Alpha Condé. Président Alpha Condé, le Hinela Mamadi, là. Au moment qu'on était en train de dire que Mamadi fait le coup d'État, il n'a pas douté de Mamadi. Il a fait confiance à Mamadi. Si c'était quelqu'un à Tredala Tounou, il pouvait le faire disparaître. Combien de fois ils l'ont interrogé? Combien de fois ils l'ont arrêté pour l'interroger? Il n'a jamais été humilié, il n'a pas été. Nifisri l'ont baliaté. Ils vont t'appeler Kilo Molien. Hé, Damaro, Altafo Aliam Dolila, ni Mobere le ton kaka. Attraque Mobere. Bill Loy, un peu force spéciale, commandant des forces spéciales, un peu chef d'état-major. Bill Loy n'allait pas trahir le président Fakonde. Le papa de Amara était là, Lansana Conte était là, malgré que les gens voulaient tout, mais ils n'ont pas fait le coup d'État. Les dadis étaient là, ils n'ont pas fait de coup d'état. Au feu général, là, ça n'a compté personne. Alors, ils l'ont agné, manka de yerekane. Ka confiance à Kadalou, ma fils, ils l'ont balilou. Mou kourounou. Alors, ils l'ont agné, koni mamadi tounte. Attends, afouake. Mali, là, ibe kaka, les autres, là, asimou. Alors, Ibrahim, ka mordou foua. Ou bien, Damimba, au Burkina, avant que Ibrahim n'arrive. Manamana kan sou bedo, quoi. Et puis, ils vont venir dire, konon, ko alali. Et pourtant, c'est des païens, c'est des gens qui ne prient même pas, qui ne croient même pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous dit de faire du bien. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais dit de faire du mal. On nous dit, les croyants, nous les musulmans, que deux fois de laisser, quand il y a tout, Allah comment, de laisser à cause de Dieu, pour ne pas être comme les autres.
Ça ne veut pas dire que non, le mal est fait, on va venir se flanquer. Non, c'est Dieu qui a fait ça. Non, Dieu, c'est le bien. Dieu, c'est le bien qui recommande. Si ce n'est pas pour venir tromper, les manipuler les gens, laver leur conscience. Et à l'aller, mon voilà, à l'aller. Donc si moi, aujourd'hui, là, je peux prendre une balle aujourd'hui, Kabla Mamadou Kouno, Kaboué, on va faire encore à l'aller, car... Ote, Allah fissure en balia kawe. Modo bra qui se crème la madukuno. Ali bofanako kafoko alale. Al bra qui se crème la madukuno lomina. Ali afoko alale fana. Ni manamana kante pascal yalta domnabi. Jamana barana kake jamana denie. La guine totre fala yorobe. Bouyentre en coca. Bouyentre la guine coca. Présente fakone la sababula. A la relation. La guine totre fala yorobe. Partout on parlait de la Guinée, on respectait la Guinée. Ma cause de ces voyous aujourd'hui. Qui bante le Kikou, qui est le Oto Turquie, qu'au troisième mandat, qui t'y flanqué, qui l'a Erdogan qui l'a fait. Audience qui a demandé à madame, mana mana, ko, kabafon ko ka demsen ta kaloum. Ko, eh non, ka mon ete sebana. Non, kemi, agbouma le nyek, alou, na nyimi kwa. Mama di doumou ya tromi. Moulou bra oula, alisi, fissi l'on bali akouma la moulou nyakoro. Vous avez quelle dignité pour dire que Mamadi Doumbouya a eu pitié du président Alpha Condé? C'est le président Alpha Condé qui a eu pitié de Mamadi. C'est le président Alpha Condé qui a fait confiance à Mamadi. C'est lui qui a eu pitié. Aurait été d'autres personnes. Regarde le président Alassane en Côte d'Ivoire. Son commandant des forces spéciales a tout simplement critiqué entre les amis. Ils ont remonté l'information. Ils l'ont enlevé là-bas. Au début du coup d'État, vous vous rappelez, le commandant des forces spéciales de la Côte d'Ivoire. Il a été radié. Pas enlevé, radié même. Il a été radié. Si l'autre, le président, lui a pris comme un chouchou. Allez, il y a une calique, le jour du coup d'État. Ce qui s'est passé. Ce qui a monné Franka Kabon, quoi. Il est là, mort là. Il a confiance là, mort. Moi, nous qui crée, Almasi là. Il est Kakuno, qui Dieu moi mieux. Moi ici, les réseaux sociaux, à chaque fois qu'on disait coup d'état, je me vantais ici, je me tapais la poitrine. Je dis tant que Mamadi est la force spéciale, il n'y a rien. Il y a fils de l'homme bali, allez les enfanter. Moro Kuro. Diplôme du Mamadi Bro Katim présent Alpha Condé. Relation du Mabro. Moi, je n'ai pas Katim présent Alpha Condé. Takoka. Jamana et Dibi. Manifestation du Kelaya. Jamana économie Mabi. Kako Beke, Kafem Beke. Mais président Alpha Condé, à la relation. Ou le Kadagina Sutra. Ebola nala, Covid nala. Président Alpha Condé, à la relation. Mais fils de l'homme, pali lui ici, Anya Mana Mana Kanfola. Le Kanfola, il y en a des. Moi, tout grand qui va m'appeler maintenant, qui l'homme Mana Mana Kanfola, comme m'a dit, il y a là, président Alpha Condé, là, ni mine ni yafo connaître. Bref, on contacte, on t'a kumaro aussi fait. Il y a des gens, je peux les laisser. On me parle de d'autres personnes, je les laisse. Parce qu'eux, ils se sont vus dedans. Mais Mamadi Doumbouya, je suis quand même là, comment les refouiner. Ni ce qu'a Mamadi Aïna Tounou. Ne font pas misé, mais la craignant, ni au Mamadi Doumbouya la femme. Voilà. Donc, à la matière de maintenant, à la matière de maintenant, ne qu'à le faux. On connaît à l'ou les tiens coquins. Ala madolala Allah kokoka. Maintenant la kola dana djamfa le koka. Ala ma président Alpha Condé. Ala ma sidilama. Ala ma dolala koka fana kwa. Kakuna ure. Bandi lui na ka fissure l'homme bali ya koke kambre balu. Amara lui bolola. Les Amara sont en train de construire partout aujourd'hui en Guinée. Allié bolala fambe. Ce que Dr Kassori n'a pas, eux ils ont ça aujourd'hui. Ce que Damaro n'en est pas, les Amara ont ça aujourd'hui. Ce que les autres n'en ont pas, qu'on accuse de tout. Ils n'ont pas les diplômes de ces gens. Ils n'ont pas le savoir-faire de ces gens. Ils sont en train de calomnier, humilier ces gens. Des voyous pareils, comme moi, Damaro, je suis maudit pour venir m'asseoir pour soutenir ces bandits de grand chemin. L'affaire de drogue, regardez la Guinée aujourd'hui. Des assassinats chaque jour. Des fois, moi, il va fracturer la Guinée. Comment faut. Tu vas passer toute une journée à monnaie et ses banans, quoi. Mon courant souillant, mais nous, quand il y a le soutien. Ah ouais, je vais vous le dire.